Eh bien, bonjour à tout le monde, c'est une partie, hein, parce que le début, c'est... C'est très... Mademoiselle n'est absolument rien. Attendez mon signal. Avec moi. Vite. Alors le jeu esthétiquement est très beau, ça y a rien à redire, il est magnifique. La di Excusez-moi. Mais voilà, le jeu est très bien. Donc l'univers, en fait, on fait partie d'un ordre de chevaliers qui est là pour lutter contre le, entre parenthèses, le terrorisme et contre ce qu'on appelle les hybrides, donc des loups-garous tout simplement. Donc le jeu esthétiquement est très beau. Voilà, il est très beau, il y a beaucoup de QTE, mais bon, j'estime que ça en vaut vraiment la peine. Salut Knight, comment vas-tu? Alors... Voyons voir. Alors Knight, bienvenue. J'espère que tu apprécieras le gameplay sur Virder. Ah, nickel, bah, si tu lookes là-dessus, c'est bien. C'est déjà un beau début. J'espère que tu apprécieras le gameplay style cuir moustache. Hein. Alors, j'espère que c'est de bonne qualité.
Bah j'espère que la qualité passe, hein. Je me suis mis en optimal HD donc non non mais le jeu est de très bonne qualité. Eh merde. Loupé. Non, le jeu esthétiquement est magnifique, y a rien à redire, la qualité de l'histoire est bien aussi. Franchement, la durée du gameplay ne me dérange pas. Parce que le jeu est de très bonne qualité, il y a une superbe histoire, il est suffisamment dur. Donc non, il a... Même si le jeu ne dure pas longtemps, je pourrais le refaire, ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Allez, hop, c'est parti. Viens là, toi. Eh merde. Mais ouais, non, le gameplay, même s'il est pas très très long, le jeu, la qualité du jeu est merveilleuse, donc il n'y a rien à redire. Je sais pas si on peut voir vraiment la qualité que je suis en train de regarder là maintenant tout de suite, hein. Mais le jeu est magnifique. Les détails sont là, tous les détails sont là, quoi. Donc Non, il est parti il y a quelques minutes. Il s'est peut-être arrêté pour fumer une cigarette. Votre voix ne me dit rien. Le capitaine est disponible. Il était là-bas, occupé à piloter le dirigeable. Je vais envoyer quelqu'un chercher Bellet. S'il n'y a rien d'autre, retournons au travail. Au revoir. Comment ça, elle est très différente? Alors, de quel côté il faut que j'aille? Allez, c'est parti. T'as entendu? La compagnie a posté des snipers à Blackwall. Une rumeur. Prudence. S'il s'avère vers ses vrais. Ouais, c'est vrai qu'il sera toujours mieux sur mon écran de console, mais bon. Ma foi, on va faire avec.
Non, non, mais là, il est... Là, la qualité est très bien, j'ai rien à redire. Et merde. Bah là, je me suis mis exprès en optimal HD pour que les gens puissent voir vraiment la qualité du jeu. Donc là, on est sur une... une très bonne qualité. Ouais. Bah là, dans le jeu, il faut avoir un réflexe parce que c'est très rapide, hein, les QTE. Alors, aide 1, il en manque plus que 2. Plus qu'un, pardon, pff, n'importe quoi. Allez, j'espère qu'il va pas se tourner vers moi. Hop là! Mais ce qui est bien, c'est que les transitions entre cinématique et le jeu lui-même sont bien faites. Ce qui fait que, en fait, on n'a pas l'impression qu'on passe d'une cinématique au jeu carrément. Alors là, je fais gaffe parce que là, c'est infiltration à tout. Et le fait d'étudier aussi les documents, c'est super bien fait. On regarde les documents, on peut les tourner, on peut regarder à l'arrière. C'est vraiment bien conçu. Bon, il y a beaucoup d'analyses, hein. Il faut regarder beaucoup le niveau, faut observer en fait. Il y a beaucoup d'observations à faire. Mais ce jeu est vraiment très très bien, j'ai absolument rien à redire dessus, bien au contraire. Nous avons un problème. Mon frère, qu'est-ce que le commandant s'est fait ? Nous semblons se dérouler sans encombre. Oui, messieurs du camp. Sans encombre. Nous serons à port changé dans quelques heures. C'est ça. Puis en route pour les Américains. Doit-on l'informer de la situation ? Et alerter à l'agent Rommel. Mais ouais, on dirait vraiment un film tellement c'est bien fait. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Après, peu importe le temps que le jeu va durer, pour moi, il est très très bon. Ouais, pardon. Ah, j'adore. Position.
en attente. Des gardes sont les insignes adéquats. Les uniformes dans Whitechapel n'avaient pas d'insignes d'épaule. Pas d'insigne. Personne. On a un rebelle au 0-0. Tourne-toi, que je puisse voir. Un signe confirmé. Le gardien plus proche d'Hastings, c'est OK. Le gardien des escaliers n'est pas un usurpateur. Alors. Ah, le v'là. Je n'arrive pas à avoir la bonne épaule. Bon sang, pas d'incision. Il y a un rebelle sur le balcon de mon côté. C'était le dernier. Bien compris. Arme chargée. Je commençais par celui-là, c'est le plus discret. Ah, du gunfight. Perceval, cible à terre. Rebelle en approche, j'ai besoin de renfort. Entendu, on te rejoint tout de suite. Hop, allez, petit headshot comme ça, là, j'adore. Oui, c'est bien, ça. Oh! Bon, c'est pas la peine là, d'ici j'arriverai pas à les avoir. Hop. Hop là, ça c'est fait. Eh merde. Les phases de fight par contre sont très très bien conçues aussi. Hein. Putain, je me fais cartouser là. Hop là. Alors, tu vas te laisser tuer ou pas? Faut juste essayer de lui toucher le bras. Hop, toucher la main. Tiens, le bras. Hop, ça c'est fait. Ça en est juste mort ? Ok.
Ah, un termite. Et merde. Je peux voir d'où ils arrivent. Faut bloquer leur point d'entrée à tous les jours. Allez. J'ai du boulot, j'ai du boulot. Bien joué. Prenez ça. Bien joué. Ce matin, entretien, je commence ce soir. Hein? Je commence ce soir. Eh ben, nickel. Hein. Bien joué. Ah, putain. Allez. De quoi toi? T'appelles Olivier? D'accord. Bon, bienvenue Olivier. Excusez-moi les gens pour cette écartade. Alors, où est-ce qu'ils sont? Peut-être descendu déjà. Ah, ça les tue pas quand même que je leur tire dans les bras, non? Hop là! Alors on va le faire. T'as il faut que je... Hop. Alors, ils sont où à me tirer dessus? Ils sont peut-être au-dessus là, bah, je vais aller les voir. Je vais les débusquer. Ah, la gregre, ça je la veux. Hop. Alors, on va voir si j'ai rien à ramasser d'intéressant. Non. Eh ben, on y va. Ah, ça fait mal par contre. Bon, y'a personne, ok, on y va. D'accord. Qu'est-ce que c'était ça? Écoutez, on se replie. Oui, toi, écoutez, un chef rebelle est à bord. C'est la femme de Whitechapel. Je la poursuis.
Ne la laisse surtout pas se changer. Alors elle est où cette meuf? Ah. Oh les tarés. Nous utiliserons les armes de la compagnie. Oh, moi j'ai trouvé l'arme qu'il me fallait, un bon fusil à pompe, là, triple canon. Ouais, on va voir ce qu'il y a à ramasser. Bah, déjà, petite boîte à meux. Dans le jeu, tu ramasses des boîtes à meux. Alors, rien d'autre. Ah, si. Voyons ce qu'il y a dans l'armurerie. Oh, intéressant. Hop, des greux-greux. On va fouiller le papier. Quelle est donc cette arme? Une mitrailleuse? Non, ça m'intéresse pas. On va voir celle-là. Bah ça c'est l'arme de base. On va prendre l'arme de base. De toute façon j'ai plus de balles pour l'autre, alors j'ai pas le choix. Hop, c'est parti. Des rebelles nous attendent peut-être. Attention.
chose que cloche. C'est à notre audacieux pour eux. Peut-être raison. Mais nous devons les exécher à la même chose. Alors, une petite greu-greu, encore une fois. J'adore les greu-greu, ça fait très mal. Enfin, j'ai même pas regardé si c'était une greu-greu ou une fumigène. J'aime bousiller des munitions. Aïe. Eh merde. Fusil à triple canon, il est là. Oh ouais. Ça c'est de la bonne arme. Hein. Alors, il me reste plus que 6 balles. Ça devrait le faire. Alors. Comme par hasard. Bien, chef. Ah, il y a des trucs à récupérer. Aïe, ça fait mal ça par contre.
Putain. Font chier ces mecs à armure, ils sont vachement durs à tuer quoi. Ah, il fait chier, bordel. Ah, vain Dieu, j'aurais peut-être pas dû prendre cette arme-là dès le départ, sachant que j'ai aucune balle. Des petites munitions, il y en a pas quelque part par là, non? Bon, moi je vais me contenter de cette arme là et puis c'est parti. Non, pas tant qu'un compagnie continuera d'agir en toute impunité.
C'est fini. Je m'y engage. C'est trop tard. Sébastien, tu n'as pas à faire ça. D'accord, ça c'est fait. Il semblerait que j'ai pris cher. Allez, de la force, va Dieu. Sois un homme. Ah, enfin, je vais aller voir Q. Vous verrez la succession. Mes pensées sont avec vous, monsieur.
Mes condoléances. Messire Perceval était un grand homme. Le plus grand héros. J'ai pris la liberté de mettre ceci de côté. Je sais que le protocole m'interdit. Ne pense pas à ce qui est incarné. Laisse-le le temps de faire les choses. Mais comment? C'était mes mentors. Mon frère. C'est vrai. Mais concentre-toi plutôt sur les soldats de la TNI. Le reste est tout attendant. Trop de questions demeurent à la sphère. Je compte trouver des réponses. Mallory sera vengé. Ne te laisse pas envahir les sombres pensées de la vengeance. Ou la flamme nous portera. Allez, allez. Le feu. Lord Hastings remercie en personne de lui avoir sauvé. Et celle de tout le monde sur le navire. La United India Company te doit sa reconnaissance. Ah ouais. Pendant plus de 6 siècles, le chevalier Sir Perceval a fait partie de la confrérie. Il a vu des royaumes entiers périr. Et d'autres, tout aussi éphémères, prendre leur place. Il a connu l'émergence des hybrides, et les a inlassablement poursuivis. Il fut témoin de toutes ces choses, car il a été béni par ceci. Le Graal, l'eau noire qui coule dans l'enfer. Le lien qui unit cet ordre. L'élixir qui guérit toutes les blessures et prolonge la vie comme un des morts. Mais il ne peut assurer l'immortalité. Et là, c'est pas bien malheureux que Perceval est mort. Le titre chevaleresque est donné par tradition dans notre ordre uniquement à l'occasion d'une répade du moment honoré dans son sein. Génération après génération, des chevaliers ont repris le nom de leurs saints prédécesseurs. Nous voici réunis, aujourd'hui, en cette occasion solennelle. Du sang d'antan. Redonne la vie. Jures-tu, Marie-Joseph, Paul-Yves Roch, Gilbert Mottier, Marquis de Lafayette, de faire respecter les nobles et saintes de notre ordre. Fais-tu le serment de consacrer ta vie à notre cause vertueuse? Oui, de tout mon cœur. Toi, que le Graal d'offre de la vie de nous.
par cette communion, tu es voué à notre ordre sacré. À présent, seul ton sang pourra remplir cette fille. Que cette pouvoir soit ton avis, non plus qu'avec sa vie. Je t'adoube, s'il persévère, serviteur de notre grand roi et chevalier de la Dame Bleue. Lève-toi, s'il persévère, et prends la place qui est tienne à notre âme. Sébastien Mallory de la chambre du conseil et mettez-le dans la clé. Que c'est triste. La séance est maintenant ouverte. Que la terrible tragédie nous a tous frappés sert de leçon à ceux qui voudraient défier le mandat de ce jour. Feu Sébastien Mallory n'est pas tombé en affrontant les hordes d'Ibril. Non. Il a succombé à sa propre folle témérité, en faisant fi de ceux qui ont juré de vivre conformément à un sens du devoir et du sacrifice. Pour quel résultat ? Les bâtiments détruits ! Des braves citoyens mis en danger. Des dégâts considérables causés à une propriété de la United India Company. C'est uniquement grâce à la Providence qu'une catastrophe plus grande encore a été évitée. Et ce faisant, pas un seul rebelle n'aura été capturé. Bien au contraire, par leurs actes isolés, les chevaliers en question ont rendu un service à l'ennemi. Le grand chancelier se montre trop sévère. Il devrait se rappeler que l'escouade de Sir Perceval a trouvé des indices prouvant que les rebelles. Spéculation, tout cela conduit à un véritable fiasco. Je ne veux plus rien entendre. Sauf votre respect, asseyez-vous, Sir Galahad. Sauf votre respect. J'ai aussi perdu un ami. Plus qu'un ami. Un frère. Vous avez tort de ternir son nom de cette manière. Votre comportement frôle l'insubordination, monsieur le chevalier. Je suis parfaitement conscient de ma responsabilité dans cette affaire. Et pourtant, si les mêmes événements se reproduisaient, j'agirais exactement pareil. Comme Mallory le souhaitait. Sire! Les rebelles ont bloqué le coche de Lord Hastings. Son escorte et lui sont piégés sur le pont de Westminster. Chevalier, aux armes, protégez Lord Hastings. Éliminons ces rebelles impies une bonne fois pour toutes. Sir Galahad, l'affaire est loin d'être classée. Quelqu'un devra répondre de la mort de Sébastien Mallory. Bonjour Irfan, comment vas-tu ? Armez-vous et placez-vous en position défensive. Galahad, tes ordres. Allons-y. Salut petit biscuit. Ça va, merci, ça va. Bah comme tu vois, là je suis à fond sur The Order. L'intelligence de Lord Hastings a été attaquée sur le pont. Pas sûr qu'il y ait des survivants. Attendez, je vais remettre le truc correct.